Voilà, nous recevons des appels un peu partout. Kaloum, actuellement, tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. La ville est prise en otage par les forces spéciales. Ça tire un peu, mais nous ne savions pas exactement ce qui se passe. Voilà, et nous disons en tout cas aux soldats patriotes, ce qui se passe, c'est vous qui saviez. Ce qui ne va pas entre vous là-bas. Mais le peuple est fatigué. Le peuple en a marre. Voilà. Le peuple en a marre. Il faut être du côté du peuple de Guinée. C'est ce que les soldats doivent comprendre. Cette transition a échoué. Et vous, les militaires, vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour un homme. La Guinée aujourd'hui, toutes les portes sont fermées à la Guinée à cause de ce petit groupe. Donc, c'est à vous, entre vous là-bas. Déjà, le mal, regardez aujourd'hui combien de militaires, combien de soldats qui partent. Donc, c'est à vous de faire ce choix-là. Personne ne va vous mettre la pression de dire, faites ce choix. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour le pays et ce qui est bon pour vous-même. Voilà. Donc, actuellement, Kaloum, on nous apprend que la ville est prise en otage par les forces spéciales. On ne sait pas. Effectivement, il y a quoi? Mais que ça ne va pas en ville actuellement. Même tous les travailleurs, chacun se cherche qu'il y a, quelques tirs en ville. On vous a dit, ça là, la transition a échoué, c'est mal parti. Et la vérité est que Mamadi ne peut pas. C'est ça la vérité. Ce qu'on vous demande, c'est Mamadi qui ne peut pas. Voilà. Il y a des gens qui disent, bon, qui m'ont envoyé même des vidéos. Bon, je vais voir tout de suite. Bon, je vous ai dit, on sait, j'ai reçu tellement d'appels. Voilà, j'ai reçu tellement d'appels. Beaucoup d'appels venant des gens. Beaucoup de messages. Nous sommes en train de voir l'évolution de la situation. C'est entre les militaires, c'est entre les militaires, mais nous, ce que nous disons à ces gens, voilà, on veut ce changement. Attendez, il y a un bâtard ici, je vais le bloquer d'abord. Que Amadou Sankone, des maudits là, ne le répondez pas, ce bâtard là, je vais l'enlever ici d'abord. Voilà, je l'ai enlevé, ce bâtard là. En tout cas, l'armée guinéenne, vous avez le soutien du peuple. Les patriotes, vous avez le soutien du peuple. La transition, elle est finie, elle a échoué. Quelle que soit la revendication, vous devez penser au peuple. C'est ça la vérité. Voilà. Mamadi Doumbouya a échoué. Le garder, c'est de vous mettre à mal. Ça, je vous le dis, hein. Garder Mamadi Doumbouya, c'est de vous mettre à mal avec lui. Parce que le bandit, c'est un instinct de survie. Mamadi est en train de sauver sa tête. Il n'est pas là pour le pays. Voilà. Il n'est pas là pour le pays. Tout Kaloum, actuellement, tous les civils, chacun se cherche actuellement à Kaloum. Tout le monde est rentré du côté de Kaloum. Parce que partout, ils ne voient que les éléments des forces spéciales. Et il y a des tirs à Kaloum. Donc, nous, c'est un message, c'est un live de soutien à tous ceux qui peuvent faciliter la tâche pour le peuple de Guinée, pour vous dire que cette transition sous Mamadi, il n'aura pas de suite. Eh, mon Dieu. Banglifé. Ou à partager. À la baie. Madame. Partagez le live. Donc, il n'aura pas de suite favorable. Il n'aura pas de suite favorable. Sous Mamadi Doumbouya, Mamadi doit partir. Mamadi Lama Arasiga. La Guinée sorry. Mounana message Falama Obe. Mamadi tant Anouloumeni. C'est pas bon. Les forces spéciales, même pour votre survie, même pour votre survie, vous le saviez combien de vos amis sont partis. Combien de vos amis sont partis aujourd'hui? La ville de Kaloum. Voilà, on dit ça tire là-bas. Anasore Nantagi. Mais Moutan Conseil Naram Falamebe. Dit transition, et nous Mamadi Doumbouya Luna, sorry bébé, non, farama, birina kolo. Et bah la sorry, sorry, fanyeri faga.
combien de personnes sont parties. Donc, la situation, c'est vous qui savez, vous les militaires, même vous les éléments des forces spéciales, Otana Kolo, combien de fois on a Geli, Mamadi Doumbouya, Abarafa Division Yerira, Otagimen. Certains sont payés, certains ne sont pas payés. Certains sont favorisés, certains ne sont pas favorisés. Donc, n'acceptez pas cela. Pour que la Guinée aille de l'avant au Birakolo, vous saviez, tant que Mamadi est à la tête du pays, la Guinée Moussagama d'aide. Pas tous ceux qui vont enlever Mamadi ou Akolo, le peuple de Guinée, la communauté internationale, Biribiramano Fora. Mais on nous a négociation. On nous négocie avec Mamadi. Ou Afla, on va négocier. Mamadi nous a dit, Fakamane Kirin Kirin. Amou Migyo Lumamene. Mourana Tamfala Obe. Otana Akolo, on nous Keli. On nous marche arrière Rabat. Agnon, c'est fini pour vous. On nous marche arrière Rabat. Vous faites marche arrière avec Mamadi, c'est fini pour vous. Il n'a pas d'état d'âme. Mamadi l'a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme, qu'il va faire le sale boulot. La Guinée Matoto. Vous les militaires, vos ravitaillements, depuis le temps de l'Ansana Conté, Mamadi Baramundou Rabat Obe. Mamadi a fait quoi pour vous? Ils sont venus couper vos ravitaillements. Vous les soldats, même les forces spéciales, quelle vie vous avez aujourd'hui? Belle vie Mounduna Oirato. Ono Masigade Minde, O Birina Ekot. Même vos aura téléphone, aura WhatsApp, ono nyenge, o mounoma, vie, c'est-à-dire intimité yomuna. Et c'est ça la vérité, Moura Falaoube. Et Barafa la Guinée, démocratie yomuna, c'est ce mouna. Un petit clan, Birakolo, depuis Mamadi Fara. Tore nagana la Guinée Kefare. Vos salaires, c'est combien? Le sac de riz, Yerara, Malebec Sari Yerara. Malebec Sari Yerara. Mais pendant ce temps, na patron est bourré. Nadjiba Djakite, Yerine Yira. Donc, toi, le maudit là qui dit qu'il n'y a rien, il faut te renseigner là-bas. Attendez, on va enlever le maudit là. C'est Namen, c'est Mounamen, Moutanga Yomuna. C'est pourquoi on a dit Ana Etagi Men. Mais ce qu'on leur dit, cette transition de Mamadi a échoué sur tous les plans. Toi, tu ne peux pas venir. Voilà. Toi, tu ne peux pas venir. Attendez, les maudits, là, on va les bannir. Voilà. Mon administrateur, il faut bannir tous les maudits, là. Il faut bannir tous les maudits. Voilà. Comment un bandit peut venir? Un bandit. Aujourd'hui, on vous a parlé des bases militaires françaises, aujourd'hui, en Guinée. Après, il se fait passer pour un panafricaniste, un gros menteur, Mamadi Doumbouya. Abarafa Djibok Kounakana. Nos richesses aujourd'hui, Moramine, à Birisigafene, à intérêt Birisigafene, Fouteta, c'est Moulouma, la Guinée. La Guinée, Kadibir Mara Tore Kolo, actuellement, Nagana Moufarito. Tore Nagana, la Guinée, Kéfarito. La Guinée, sorry. Mamadi l'a dit ici, devant tout le monde. Mamadi a fait son discours. Il dit qu'il n'est pas venu servir un homme, qu'il est venu servir la nation. Et aujourd'hui, le peuple de Guinée est en train de souffrir. Donc, vous, le reste de l'armée guinéenne, parce que lui l'a dit que il va faire le sale boulot. Et c'est le sale boulot qu'il est en train de faire à la Guinée Tongo, à ce fauté Yira. Non, dit nanana. Odore, aura dignité, aura formateur. Sadiba, à Sadiba Faraobini Yaworbi. Où sont les Alia? Où sont les Moriba? C'est pourquoi j'ai dit au nouveau là. Vous pensez que Mamadi a des sentiments pour vous? Autant bien Mamadi est là pour vous. On aura quelle idée? Odoro. Odoro men. Mamadi nous kele. Aobirin. C'est pas le colonel, c'est Célestin Koro. Le procureur est sorti ici se flanquer devant tout le monde. Qu'ils ne savent pas où est le monsieur. On appelle la femme du monsieur. Au camp, on conduit la dame à la morgue. Et n'a birin farafé kirin kirin. La Guinée ka birakolo. 40 taria tanga famoutanga pays tonga otage. Ndena mamadira. Narafra, 21e siècle, Moumanga Doro, Moumanga Gbilin, Rambi, Bandi Efa. Regardez, tellement que non, Emou hôpital Timade, Emou école Timade, la rentrée scolaire, les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels sans salaire, mais regardez les blindés, Atananankolo, regardez le nombre de blindés, que lui, ça dit Moura Kobri, ces blindés-là, et non ma école est idée, ces blindés-là,
Ils peuvent construire des centres de santé. Ces blindés que vous voyez, on peut payer les enseignants contractuels. Regardez le nombre de véhicules. Et allez-y sur Google, demandez le prix de ces blindés. C'est-à-dire, n'a blindé, demandez le prix de ces blindés. Regardez le nombre, la ligne, le nombre de blindés. Mamadi pense qu'il va venir nous terroriser. Bandits, population Mabé et Kobri Tongo et ce voyou. On donne aux voyous pour tromper le peuple de Guinée comme si... Voilà. Donc, nous, on s'en fout. On dit aux militaires, si vous voulez, au Kelly. Ou à ma changement, au Kelly. Même vous, les éléments des forces spéciales, vous êtes 4000 aujourd'hui. Combien on vous donne? Combien de primes on vous donne? Hein? Combien de primes on vous donne? Combien de primes Mamadou vous donne? À part les adjudants-chefs, vous, les Lakoudou des forces spéciales et Yerusso Maouira. Ça dit, il va vous transformer comme des escadrons. Donc, Afini Kyo qui ramène Otana Colon, Ona Jérémy, Mamadi Doumbouya. Attendez, je vais remettre encore. Anaram Falare Nalore. Il a dit qu'il ne sera pas candidat. Awama Djiborega Kanane. Mouta Moutima Djiborega Kana à cause d'un individu. Voilà. À cause d'un individu. Comment un bandit va venir Afa Borg Kunakana? Je vais vous faire écouter encore le début. Vous allez comprendre que le bandit, il n'est pas prêt à partir. À Moupressigade, à Naram Falare. La Guinée-Bara d'Anguina Birina. Ce que lui, il a dit le 5 septembre. Voilà. Écoutez. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24 qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition Mamadi Doumbouya. Bonjour monsieur le président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois, deux mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État. Voilà, écoutez. Hein. Le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez Alain. Écoutez-le, hein, le menteur. Plusieurs années. Nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussés à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, fait plus de 10 ans que j'ai décidé. Écoutez la partie-là. Ces femmes et enfants, par amour pour mon pays, j'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir? Voilà, écoutez. Non, j'ai décidé tout seul de venir. Le menteur. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu deux fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme. J'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat. Vous avez compris, les militaires guinéens, le bandit a dit devant tout le monde, il a fait le coup d'État, qu'il n'est pas venu pour servir un homme. Voilà. Et aujourd'hui, la justice guinéenne, vous avez vu le cas de M. Célestin Bilivogui, hier, que Bala Samoura a enlevé, que hier, on appelle sa femme, aller lui donner son corps. Sadiba, vous avez vu. Et ça, ça va continuer combien de fois? Un groupe de vauriens, un bandit, un légionnaire français. Ce vaurien va venir prendre ce pays. Vous, les militaires, 42 généraux à la retraite, sans mesure d'accompagnement. D'autres n'avaient même pas atteint. Un groupe de bandits viennent, ils sont tous détruits. L'administration aujourd'hui, on ramasse des vagabonds, on les envoie en Guinée. Comment on peut prendre des vagabonds à l'étranger qu'aux des administrateurs? Des vauriens, on les nomme directeurs. Regardez l'administration guinéenne aujourd'hui. Regardez le système éducatif guinéen aujourd'hui.
Et vous voulez que non, nous croisons les bras pour regarder ces vauriens continuer à tout gâter. Nous n'allons pas l'accepter. Ça, c'est juste un rappel. Nous ne savions pas ce qui se passe là-bas. Tout le monde, les gens ont quitté, presque les gens fuient, les travailleurs. Nous ne savions pas ce qui se passe à Kaloum, mais ça, c'est entre eux là-bas. C'est parce que ça ne va pas. Voilà. C'est parce que ça ne va pas là-bas. Ça ne va pas à Conakry. Les militaires eux-mêmes, ils sont fatigués. Ils voient que le bandit, un groupe de vauriens qui n'ont rien fait pour l'armée guinéenne, que ces vauriens viennent nous parler de refondation. Qu'est-ce que Amara le fanfaron peut faire? Qu'est-ce que Bala le vaurien, le tapissier peut faire? Un petit gendarme comme Idi Amin. Des gens qui n'ont jamais été au commandement. Comment un petit clan de vauriens, de bandits viennent, ils prennent le pays en otage. Et vous êtes assis. Regardez la situation économique du pays. Rien ne va dans le pays. Et vous voulez que non, on continue encore. Le bandit, il enlève le président Fakonde. Le bandit nous dit encore que lui, il va continuer. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Donc, la famille, et nous attendons. Voilà, eux-mêmes, ils vont sortir, ils vont nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais ce qui reste clair, à Kaloum, les gens fuient et il y a eu des tirs. Mais c'est eux qui savent ce qui ne va pas. C'est que, je vous ai dit ici, le pays est malade. La Guinée est malade. Et il faut trouver une solution. Il faut trouver le remède maintenant. Là. Tant que le bandit Mamadou Doumbouya, tant que le gangster Mamadou Doumbouya, tant que le vaurien Mamadou Doumbouya, tant que le légionnaire Mamadou Doumbouya est à la tête de ce pays, la Guinée n'ira nulle part. Un vaurien ne peut pas diriger un pays. Comment un vaurien va venir nous parler de refondation? Comment des vauriens, un groupe de vauriens, vont nous parler de refondation? Qu'est-ce qu'ils ont appris? C'est quoi leur parcours? C'est quoi leur diplôme? Un groupe de Kamberimba viennent, ils prennent le pays en otage, qu'on va continuer à les écouter? Nous disons non, et c'est maintenant. Voilà. Et c'est maintenant que nous devons dire non. Et vous, les militaires guinéens, vous êtes tous témoins. Vous avez vu le temps de feu général Lansana Conté. Vous avez vu les Dadis. Vous avez vu le temps de Sékouba Konaté. Vous avez vu le temps du président Fakonde. Mais le temps du bandit Mamadou Doumbouya, c'est des kidnappings. On enlève les gens. Oui, après on retrouve que non, ils sont morts. On va continuer dans ça. L'économie guinéenne, les bandits sont en train de piller nos richesses et aller investir ailleurs. Vous voulez qu'on continue sur ça? Nous disons non, nous n'allons pas accepter. Il faut que vous aussi, vous les militaires guinéens, comme le bandit l'a dit dans son discours, qu'il est venu pour servir la nation. Vous les militaires guinéens aussi, vous devez servir la République et non un bandit. Mamadou Doumbouya quoi? C'est l'argent du contribuable guinéen. C'est l'argent de nos recettes que le bandit, il est en train de dilapider. Regardez l'état de nos routes. 11 ans du président Fakonde, est-ce qu'on parlait de l'état de nos routes comme ça? 11 ans du président Fakonde, est-ce qu'on parlait du prix des darés? Malgré les 11 ans, les difficultés que le pays a connues, Ebola, Covid, les crises politiques, mais le sac de riz était à 230 000. Nous sommes à près de 400 000. Même vous les militaires, même si on vous paye aujourd'hui, vous payez le sac de riz à combien? Vous saviez combien de fois aujourd'hui vos vies ont changé sous le CNRD? Vous vivez dans la misère. On dit tout simplement, vous êtes des militaires, mais vous savez combien de fois la galère qui est sur vous. Mamadi ne peut pas continuer à entretenir des commandants. Et pendant ce temps, vous, le reste de l'armée, vous vivez dans la misère. Il faut mettre fin à ça. Quoi qu'on dise, le régime d'Alpha Condé, la vie des Guinéens, le port de Conakry était moins cher. Le prix des darés, nous le savions tous par rapport à la sous-région. Et depuis l'arrivée des bandits aujourd'hui, c'est le grand projet. Le projet d'espoir, Simandou, que des vauriens aujourd'hui, ils ont mis comme priorité. Le président Fakonde a fait 11 ans. Il n'a pas compté sur Simandou pour pouvoir faire quelque chose pour le pays. Il a fait beaucoup de projets sans passer par Simandou. Et les bandits, vous avez vu, ils avaient voulu prendre 2 milliards de dettes avec les Chinois sur le contrat de Simandou. Et les 2 milliards, les Guinéens n'allaient pas voir les 2 milliards de dollars. Et les bandits allaient investir ailleurs parce que eux-mêmes ils sont conscients. Ils ont leur plan B. Ils savent que ça va échouer. Mais ils ne savent pas c'est quel jour. Donc, il est temps pour nous, les Guinéens, de nous lever pour dire, hé, trop, c'est trop. Nous ne voulons plus de vous. Vous devez dégager. 3 ans de transition. Où est le problème en Guinée? Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a rien. 3 ans, ils ont eu suffisamment de temps et ces voyous doivent dégager. C'est une honte au 21e siècle de dire que c'est un tocard, un vaurien comme Amara, un vaurien comme les Djiba, un vaurien comme les Doumbouya, un vaurien comme les Idi Amin, des vauriens comme les Bala Samoura. Que nous, la République de Guinée, c'est-à-dire ce pays des hommes forts, pour dire que c'est ces vauriens-là qui ont fait ça. Voilà,
Toi, le maudit là qui dit que Alpha Condé a fait quoi? Ton maudit, les barrages là, qu'à l'État soit petit, c'est ton père. Si le projet Simandou était vendu, n'eût été le président Alpha Condé. Pour prendre Bernie Steinmetz à la justice, gagner ce procès, c'est ton père qui l'a fait. Toutes les préfectures de la Guinée aujourd'hui, tous ces bâtiments jaunes, c'est ton père, la route nationale, les échangeurs à Conakry, c'est ton père qui a fait ces projets-là. Quand le président Alpha Condé a fait quoi? Ok, sous le président Alpha Condé, les médias n'étaient pas fermés. Sous le président Alpha Condé, Seloudane était chez lui, il avait sa maison. Sous le président Alpha Condé, Fonike Mangue n'était pas porté disparu les bilots. Sous le président Alpha Condé, ces officiers qui sont en train d'éliminer là, on n'a pas vu ça. Des maudits comme ça là, on doit vous rappeler ça encore. Vous les maudits là, on doit vous rappeler. Les médias étaient fermés. Les médias étaient fermés. Le sac de riz était à combien? Vous voulez qu'on vous rappelle quoi encore? Les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels sans salaire. Vous voulez qu'on vous rappelle quoi encore? Les maudits, dites-moi, je vais vous rappeler encore. Vous voulez qu'on vous rappelle quoi encore? La Guinée avant le 5 septembre et la Guinée de maintenant. Vous voulez qu'on vous rappelle quoi encore? L'internet coupé là, vous voulez qu'on vous rappelle quoi? Des maudits là, vous voulez qu'on vous rappelle quoi? Dites-nous. Ouama Mouga Mouzef là, dépôt explosé. Tous ces trucs-là, vous voulez qu'on vous rappelle quoi? Dites-nous. Regardez-moi des idiots comme ça, là. Ce n'est pas à nous de vous répondre ça. Donc, si vous voyez que des militaires se lèvent, s'attirent, c'est que ça ne va pas. Voilà. Tu as dit qu'ils étaient en prison, mais ils n'étaient pas portés disparus. Même le président Alpha Condé a fait la prison au temps de l'Ansana Conté ici. Tu dis que Fonike Mangue était en prison, mais il n'était pas porté disparu. Voilà. Le président Alpha Condé a fait la prison ici, devant tous les Guinéens ici. Donc, un politicien, un leader, aller en prison, c'est pas surprenant, mais les faire disparaître, tuer les gens, voilà, c'est sous le CNRD. Fonike Mangue aujourd'hui, son avocat, au temps d'Alpha Condé, savait où était Fonike Mangue. Ils étaient bien traités, mais aujourd'hui, il est où? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez-moi des maudits comme ça, là. Vous pouvez parler du CNRD, vous ne voyez même pas, même le communicant, vous allez défendre quoi? Vous allez défendre quel bilan? C'est de quel bilan vous allez défendre? Même ceux qui ont soutenu le CNRD au départ, quelle est leur position aujourd'hui? Ça doit vous donner à réfléchir. Qu'est-ce que le président Selou n'a pas fait pour vous? Qu'est-ce que le FNDC n'a pas fait pour vous? Ça veut dire que vous avez échoué. Parce que c'est eux qui étaient en face du président Alpha Condé. Vous étiez avec le président Alpha Condé. Et c'est là que vous devenez des bandits. Parce que vous n'avez rien respecté. Vous n'avez pas satisfait l'UFDG ANAT, vous n'avez pas satisfait le FNDC, vous n'avez pas satisfait le RPG. Et c'est ça la vérité. Et c'est là que vous avez échoué. C'est là que vous avez échoué. Posez-vous ces questions-là. Pourquoi l'UFDG est opposé à vous? Pourquoi le FNDC est opposé à vous? Votre échec, ça devait venir de là. Vous ne devez pas être opposé à l'UFDG ANAT parce que ce sont eux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous avez satisfait qui? Des gros menteurs, des amateurs. Oh, les Guinéens ne se parlaient pas. Aujourd'hui, même les militaires entre eux n'osent pas parler aujourd'hui. Même les militaires entre eux. Regardez-moi des bandits comme ça. Là. Mais allons-y seulement. La vérité, c'est du côté du peuple. Attendez, je vais vous faire écouter. Celle-là, je reconnais le président de l'UFDG. Et c'est ce que j'avais demandé depuis longtemps au président Selou Dalé. Voilà. Je vais vous faire écouter, voilà. Écoutez, hein, le message de Selou Dalé. Voilà. Vaillant et digne peuple de Guinée. Maximum de partage. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya a tombé le masque. Voilà. Après avoir cherché pendant 3 ans à gagner du temps et à abuser de la confiance et du soutien de notre peuple. Voilà. Sa candidature à sa propre succession. Alors qu'il a juré en tant qu'officier sur le Coran, devant l'armée, le peuple de Guinée et la communauté internationale, de ne pas prendre part aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel, sa candidature, dis-je, serait une haute trahison de sa parole d'honneur et donc un grave parjure personnel. La communauté internationale, qui a espéré tant et jusqu'au bout qu'il joindrait l'acte à la parole, est aussi floué que notre peuple trahi. À chacun d'entre nous, donc, de prendre ses responsabilités dès maintenant, devant sa conscience et l'histoire, pour empêcher à tout prix et par tous les moyens la forfaiture de se produire, en étant aux côtés du peuple martyr de Guinée dans sa quête légitime de liberté, de justice et de démocratie. J'en appelle donc
à toutes les forces vives du pays, civiles et militaires, de l'intérieur et de l'étranger, d'agir en parfaite synergie pour s'opposer avec fermeté et détermination à la volonté du général de commettre ce parjure pour confisquer le pouvoir à son profit personnel et pour les intérêts exclusifs de son clan civilo-militaire. Nous devons tous réagir avec une combativité à la mesure de l'affront et de la provocation. Le général Mamadi Doumbouya et ses soutiens et alliés seront tenus pour responsables de tout ce qui adviendrait à la suite de l'épreuve de force qu'ils veulent engager avec le peuple de Guinée et de toutes les conséquences de l'acte de défiance qu'ils auront posé en décidant de cette candidature illégale du président de la transition à la prochaine élection présidentielle. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons la dictature et toute velléité d'imposture et d'usurpation du pouvoir. Tous donc en ordre de bataille. Bravo, ça c'est le meilleur discours, c'est-à-dire de Elassie Loudalé. Il a été clair. Et c'est là l'échec du CNRD. Vous avez dit, le président Sélou était opposé au président Alpha Condé. Quand il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de loi, les Guinéens, on ne va même pas parler de la vie chère. Vous avez parlé de ça. C'est eux qui étaient opposés hier. Mais vous, vous n'êtes ni d'accord avec l'UFDG ANAP, vous n'êtes ni d'accord avec l'UFR, vous n'êtes ni d'accord avec le FNDC. C'est là que vous devez comprendre votre échec. Et ça ne passera pas. Ça, on vous le dit. Hein. Tentez. Vous pensez que les blindés ou quoi, c'est l'argent du contribuable guinéen. C'est vous qui venez de faire le procès de 28 septembre. Vous êtes sur le chemin du CNDD. Et ça ne effraie personne. Ok? Ça n'effraie personne. Ça, il s'agit de sauver l'honneur de notre patrie. Nous ne pouvons pas accepter que des vauriens, des bandits prennent le pays en otage. Non, nous voulons le changement. C'est vous qui avez changé le président Alpha Condé. Nous aussi, le peuple dans sa majorité. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, le camp du président Alpha Condé, le camp de Sidia, le FNDC, la société civile, tout Guinéen mépris de démocratie, veulent le changement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le coup de billet que vous prenez pour donner à des badauds qui ne votent même pas, qui n'ont aucune notion de la République, comme vous. Si vous pensez que vous effrayez quelqu'un, vous avez tapé poteau. C'est le peuple de Guinée aujourd'hui, dans sa majorité, qui ne veut plus de vous. Mais je vous ai dit, vous aviez jusque le 31 décembre. C'est à vous de savoir c'est quoi la solution. Vous voyez, entre vous là-bas, les militaires, ça pagaille. Un jour ouvrable. Les gens sont au service. L'administration, tout est bafoué aujourd'hui. Voilà. Merci. Et pour te progresser, je vous ai dit, tant que vous insultez ici, Doumbouya a gologué mes 10 000 fois. Tant que vous m'insultez, c'est à Doumbouya, je vais dire. Doumbouya, Mamadi Doumbouya a gologué mes 10 000 fois. Au montant colonel, vous pensez que je vais arrêter d'insulter à cause des bonnes personnes. Mais nga falaube, ntamugaru mamgyoya. Mamadi Doumbouya a gologué mes 10 000 fois. Tant que vous insultez ici, Mamadi n'a récupéré ma. Autant colo, moi depuis le 5 septembre, Mamadi Doumbouya a gologué mes 10 000 fois. Quoi insulter ici encore? Au combiti, Nara Gulema Mamadinama, Kanofera Araraba. Regardez-moi des maudits comme ça. On nous combiti, Ntara Gulema, aura patron. Parce que moi, personnellement, Kakombinara aura insulté l'homme. Ils ont insulté ici, fatigué. Ntanya, moi, c'est ça que je veux. Venez m'insulter. Mais pour vous faire plaisir, Nafalamane Mamadi Doumbouya a gologué mes 10 000 fois. Bandinara, Mengemarago. Le président élu, c'est le président Fakonde. Voilà. Mamadi Doumbouya est un bandit, c'est un gangster. Donc, il nous a gologué, mais voilà. Et peut plaisir, Nanaki. Donc, attendez, il y a un bâtard là, je vais le bannir. Ne le répondez pas. Je le bannis pour de bon. Et on continue l'aventure ici. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Et on aura la suite de ce qui est à Kaloum. Voilà. On dit les militaires de force spéciale, ils étaient à Kaloum. Voilà. Tout le monde a commencé à fuir. Ils ont commencé à tirer en l'air. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu d'argent. Actuellement, le pays est fauché, il n'y a plus d'argent. Les bandits ne comptaient que sur les 2 milliards qu'ils ont voulu prendre comme prêt avec les Chinois. Ils ont échoué sur ça. Il n'y a pas de recette, il n'y a rien. Donc, il y aura des mécontents. Mais quand tu entretiens des gens avec l'argent, s'il n'y a pas d'argent, oui. Et surtout, les militaires, ils vont tirer en l'air. Non, dit Nanagana, autant sorry.
Tant que Mamadi Doumbouya n'amène la Guinée-Moussagama. Regardez aujourd'hui, le pays a devenu plaque tournante de drogue aujourd'hui. Drogue t'as soumane à minimane. Alpha Condé attend. D'ailleurs, c'est eux, ils ont lutté les secours qu'on a tirés contre les narcos. Mais depuis, le bandit est venu. Montrez-moi quelqu'un qu'on a arrêté pour l'affaire de drogue. La Guinée braconne. Actuellement, la Guinée tend. C'est Semouna. C'est Semouna. Média fermé. Voilà. Mamadi Doumbouya Golo, gamme 10 000 fois. Youssouf, on a fait là. Autant à boss, nana autant au Roma. Mamadi Doumbouya a golo gamme 10 000 fois. On y en a fait là. Mamadi Doumbouya a golo gamme 10 000 fois. Ok? On combiti. N'ta ragbile fait aura patron. Aura patron ragbile fait nanama. Mengema Rago, il n'a pas été élu parce que le président était là. Imam n'est rien à nafigia ouéen. Ko, Mengeya. Ok. Président Alpha Condé était là. Le bandit Mamadi Doumbouya. Tamouna kolo mengena naki. Donc. Anyamou démissionné sur papier. Élection nan na bargo. Natamou finkar tongode. Donc, onou fabé, konoko mengena rasoriki. Onou kombiti kya naga nara gbile fe Mamadi Doumbouya manakine. 10 000 fois. Moi, c'est à cause des bonnes personnes de. Nou bara dundu, je vais laisser naga na futilité. Ntamouna mouwe manafe. Mais onou fabé, tant que ou famabe, onou kombiti. Nara gbile fe oura bandinama. Mamadi Doumbouya. Nara gbile fe oura bandinama. Nsigi nan sama kouibe. Donc, bonne soirée à tout le monde. Voilà, plus d'informations, vous allez me voir ici. Merci d'avoir suivi. On est ensemble.